Drop it. Red Dead Online n'est pas tout pour un super glitch en solo, et oui en solo, et vous allez voir que on va pêcher un poisson 3 étoiles et on pourra le revendre en illimité sans faire la manip avec l'écurie. Rien à voir avec le glitch que je vous ai présenté hier, celui d'hier il fallait rentrer dans l'écurie, avoir la scène cinématique, etc, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, et ce glitch est toujours fonctionnel en solo aussi. Par contre celui-ci est beaucoup plus facile, mais il y a un petit mais, il faudra absolument avoir un animal 3 étoiles pour que ça marche, ok. Bien écouter la vidéo, un animal 3 étoiles. Donc là nous on va pêcher un poisson 3 étoiles, donc le brochet. Donc moi je le fais avec celui-ci. Maintenant vous pouvez le faire avec le cougar 3 étoiles qui rapporte beaucoup plus. Ok, donc là moi je mets mon truc, mon leurre de rivière. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Bellbook 972 et Rapon Laveur, ça me ferait super plaisir. Je mettrai les liens en description. N'hésitez pas à aller voir les liens des potos, mon ami Joe Boy, mon ami Fatigue Gotti et mon ami Tuto Glitcher. N'hésitez pas à partager un maximum comme d'habitude. Ça me ferait aussi super plaisir les potos. Allez, on est bientôt 300 abonnés. Partagez, partagez, partagez un max. Ça monte super bien, alors franchement faut que ça continue. Merci pour votre soutien, je vous le redis à chaque fois, mais je vous remercie du fond du cœur. Allez, c'est parti. Hop. Pas besoin d'avoir un deuxième cheval, non. Avec votre cheval perso, c'est bon. Alors l'endroit que je vais vous mettre ici sur la carte, c'est l'endroit où on prend énormément de brochets. C'est juste à côté de Valentine et c'est juste dans le cru ici. Voilà, juste ici, franchement, là on en prend en illimité. Donc pour celui qui veut jouer normalement, bah franchement, ici vous allez voir, on prend énormément de brochets et du 3 étoiles. On ramène tout doucement, moi je ramène toujours près du bord. On mouline tout doucement. Ah, c'est du petit au bord. Ok, je vais avancer par là. Si on arrive en pleine nuit aussi, hein, je pense. On est vraiment en pleine nuit, je pense. On dit pas, ouais. Ah, il y en a un drôle. Il est vraiment au bord. Donc là, ce qu'on va faire, on va le ramener. Hop. Ah, c'est bon. Hop, c'est dans la poche. Hop, on prend. Voilà. Là, c'est bon. Mouliner assez vite. Bon, j'espère que c'est un beau. C'est un 8,48 kg, hein, c'est magnifique. Hop, là on va le garder. Je sais pas s'il y a plus gros que 8 kg, mais moi je vais 8 kg, c'est un 3 étoiles en plus, donc ça se touche haut. Il est encore parti lui. Parti où mon cheval lui? Il est parti de l'autre côté, je trouve. Il va arriver. Il était carrément parti de l'autre côté. Je sais pas qu'est-ce qu'il est parti de l'autre côté, mais... Je sais pas pourquoi il est parti par là, tiens. Ouais, pépère. Raman. Il traverse la rivière. Et c'est quoi le cheval que j'ai ici alors? Ah, c'est un joueur qui me l'a pris ça. Ah, c'est pas grave. Moi j'ai besoin de mon cheval quoi.
Arrête de me renifler l'oreille, toi. Ah ouais, c'est un joueur qui l'a pris, c'est quoi ce bordel? Non mais c'est quoi de ces gens là qui... Là il arrive. À mon avis c'est un gars qui a pris mon cheval. Comment on peut prendre le cheval d'un joueur? On peut pas prendre les chevaux des joueurs. Ouais, ça se fait qu'il était parti si loin. En plus il y avait un deuxième cheval. Je disais encore qu'il fallait pas de deuxième cheval. Deuxième cheval, ouais c'est ça ouais. Et là je vois qu'il y en avait un deuxième à côté de moi. Enfin, ça rien comprendre encore. Voilà, donc là on a de toute façon 3 étoiles. Je vais quand même bien regarder avant. Voilà, mon rocher également accepté. Voilà, là ce qu'on va faire maintenant, direction Valentine le boucher. Et là vous allez voir, pas besoin de rentrer dans l'écurie, rien du tout. On va tout simplement chez le boucher. Un petit truc de bouffe. Par contre il y a du ragoût. Pour ceux qui ne savent pas, ici à Valentine, il y a un petit campement ici de PNJ et il y a du ragoût qui vous remet vos stats, enfin l'énergie, la vie et l'endurance, etc. À fond. Donc là ce qu'on va faire, on va le mettre. Haven't seen you here before. Comme ça. Take a look. Voilà. On descend de son cheval. Et là, on va tout simplement prendre son arme. Et tirer sur le poisson. Voilà. Hop, une fois. Vous voyez? On a tiré une fois sur le poisson. Ça a fait comme si on avait remis un poisson sur le cheval. C'est ça que ça doit faire. On va avoir l'icône du poisson ou de n'importe quel animal que vous avez. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire ça, hop, voilà, et vous voyez qu'on a deux poissons, deux brochets, voilà. On a deux brochets, donc moi je vais vendre, hop, voilà, vous voyez, une duplication à chaque fois, hop. Vous revendez le plus cher, bien sûr, pas le moins cher, hein. Parce que le moins cher, c'est celui qu'on a tiré dessus. Donc il y a le plus cher qui est resté, et il y a une duplication qui s'est faite directement quand vous tirez une fois. Ça sert à rien de tirer 150 fois dessus, sinon vous perdez la qualité du poisson. Donc vous tirez une fois avec votre petit pistolet, et c'est bon. Et vous revendez plus cher, regardez. Hop, on attend que ça revienne. Hop, et voilà. Et vous faites ça en illimité les poteaux. Donc là, ce qu'on va faire... Hop. On va remonter sur... On va faire ça, hop. Vendre. Voilà. Quand vous voyez que ça ne réapparaît plus... Vous quittez le boucher, vous revenez et hop, c'est reparti. On fait la manip. Voilà, hop. Pas besoin d'aller dans l'écurie pour dupliquer, rien du tout. On attend un peu que les dollars disparaissent. Voilà, peut-être que je vais un peu trop vite aussi. Voilà, les dollars disparaissent. Voilà, 8 dollars. Vous voyez, à chaque fois comme ça, les poteaux. Alors imaginez-vous avec... soit l'antilope, soit du cerf qui se vaut quand même un peu plus cher, ou du cougar 3 étoiles, je vous dis pas les thunes que vous allez vous faire. Hein. Voilà, on attend un petit peu, pas aller trop vite, parce qu'au début j'allais trop vite, on attend que le 8 dollars disparaisse en haut à droite. Et voilà, regardez ça, en illimité les potes. En illimité. Regardez comment ça monte. Avec 8 dollars tout simplement. Donc là je vous montre avec l'animal qui se vend le moins cher. Donc c'est le 3 étoiles le poisson à 8 dollars. Ok. Après vous avez de l'antilope, vous avez du cerf, vous avez du wapiti, vous avez toutes sortes. Vous avez du cougar qui se revend super bien. C'est le cougar qui se revend le plus cher. Ça c'est à vous de voir. Ok. Moi je vous le montre dans la vidéo avec le brochet. Là. Regardez, on est à 300$, on est déjà 444. Encore, même pas 2 minutes. C'est une tuerie. Ce glitch, franchement, c'est une tuerie. Donc là, j'attends. Hop. J'étais trop vite encore. On fait vendre. Voilà, on a le brochet. Hop, allez, c'est parti. On attend.
On va pouvoir s'acheter du matos, les poteaux, des armes, des holsters que j'ai débloqués au niveau 12. Parce que comme je vous ai dit, ça fait pas longtemps que j'ai repris le jeu. J'étais quoi quand je l'ai arrêté, j'étais level 5 ici, je pense. Comme je faisais beaucoup de vidéos sur GTA. Là, je suis niveau 12. Je vais avoir pas mal d'argent. Je vais pouvoir m'acheter des vêtements, des armes. Et tout ce qui va avec, les offres de combat et tout. Ce que je vais faire après, je vais aller chasser du plus gros. Et ça rapporte plus. C'est ce qu'il faut faire. Mais moi, je vous le montre. Pour ceux qui aiment bien avoir le brochet et que ça aille beaucoup plus vite et que ça rapporte pas mal aussi, ben voilà, là je vous montre le glitch avec le brochet. Et tout à l'heure, je vais vous montrer le glitch avec un animal qui vaut beaucoup plus cher et vous allez voir que ça va monter beaucoup plus vite encore. C'est logique. Si par exemple maintenant vous avez, je sais pas, un Wapiti qui vaut, je sais pas moi, 20$. Ou 15 dollars, alors imaginez-vous comment ça va monter quoi. Mais non, le cougar, je pense qu'il se vend très très cher, je pense. Cougar, pour pas dire de bêtises, je sais pas combien, mais je pense qu'il se vend. De toute façon, c'est celui qui se vend le plus cher dans le jeu. Voilà, vous voyez bien que ça monte super bien. On attend un petit peu, voilà, pas aller trop vite, ça sert à rien. Déjà là, c'est un glitch en illimité et sans rien faire, en tirant une fois sur l'animal, vous dupliquez directement l'animal, ça se duplique directement, donc vous voyez le logo qui apparaît comme si vous avez mis un deuxième poisson ou un deuxième animal, peu importe, puis vous allez au boucher et vous aurez directement les deux poissons ou les deux animaux que vous voulez et vous vendez le plus cher, bien sûr. On veut faire de l'argent et pas en perte. Hein. Hop. Donc là, je vais arrêter à 600. Voilà les potos. Donc moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sortirai une vidéo tout à l'heure avec un animal qui se vaut le plus cher. Donc je vous dis à tantôt. Bisous, bisous. Merci de m'avoir suivi. C'était Oli. Ciao, ciao. Bisous, bisous, les loulous. Ciao, ciao.